je dédie à toutes les femmes oppressées, opprimées par la gente masculine, c'est-à-dire toutes les femmes. Sois vivant au sein de ta mère, bien avant que ton père ne lui arrache cette langue, la langue de ma mère, bien avant. N'attends pas, car ma peau d'un temps ancien, elle vient d'un espace où la lumière ne pouvait se mouvoir sans que je lui ai ordonné, car tu ne le sais pas encore. Mais au tout premier jour était le verbe, et tu ne le sais pas encore, car au tout premier jour était le verbe. Et je te parle. Aujourd'hui, la force me vient des temps anciens où mes sœurs ont puisé le mot être pour que tu puisses exister. La force me vient de cet espace où elles se sont déployées pour que tu puisses parcourir ce monde qu'elles ont nommé. Ma poésie vient de loin et tu ne le sais pas. Sur les rivières, elle a roulé dans le sable blanc des plages du Mans. Elle s'est faite liane pour grimper au sommet des palmiers géants. Ma langue vient de loin, ma langue vient de loin, la langue de ma mère, elle vient de loin. Je te parle avec la langue de mon père, qui est celle que ma mère m'a apprise, mais qui est devenue celle de mon père, puisque jusqu'à présent, il n'y avait que lui qui parlait. Jusqu'à présent, il n'y avait que lui qui parlait. Le père, il n'y avait que lui qui parlait. Aujourd'hui, la force me vient et je peux découdre ma bouche, je peux arracher le bâillon, je peux t'adresser la parole, je peux t'adresser la parole. Comme ta mémoire est étroite, la première chose que tu ne dois plus oublier, c'est qu'au premier jour,
Je te parle avec la langue de ma mère. Et puisque la force me vient, la force me vient de toutes mes sœurs ici présentes, de toutes mes sœurs en pensée, oppressées, opprimées par tous ces hommes qui nous violent, qui nous frappent, qui nous battent, qui nous obligent à... Aujourd'hui, la force me vient. Je ne fourrerai plus jamais la langue de mon père dans ma bouche. Non, jamais, plus jamais. Je ne fourrerai plus jamais la langue de mon père dans ma bouche. Non, plus jamais, plus jamais. Allez mes sœurs, plus jamais. Parlez avec votre voix, parlez avec votre langue et transmettons à nos sœurs, à nos filles, le respect d'elles-mêmes qu'elles se doivent et que l'univers nous doit à nous qui enfantons les mondes, à nous qui enfantons les rêves d'amour. Je ne parlerai plus désormais qu'avec la langue de ma mère. Je ne parlerai plus désormais qu'avec la langue de ma mère. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci. Ben oui, faut pas déconner quand même, il y en a marre. Il y en a marre ! Des siècles d'oppression ! Il y en a marre ! Vous verrez quand on sera au pouvoir, vous allez en chier vous aussi, y a pas de raison. On sera pire que vous. D'ailleurs, à certains égards, certaines femmes sont quand même pires que les hommes. Hein. Je sais pas si certaines d'entre vous travaillent avec des femmes. Ah, parfois c'est compliqué. Hein. Surtout celles qui, justement, vous voyez ce que je veux dire. Je suis une femme, mais ouais, quand même, j'ai de l'autorité. Donc, bon, parfois, j'avoue que... D'ailleurs, par exemple, avec les musiciens qui bossent avec moi, parfois, je suis... Très peu, mais quand même, relativement. Relativement. Une fois par mois, vous voyez, à peu près. C'est... Oui, c'est l'excuse, mais c'est comme ça. C'est comme ça.